Allez hop, je suis même pas assise que la caméra s'est remise en route. Donc, bienvenue dans une nouvelle vidéo de YouTube avec Super Cécile. Là, j'ai un truc intéressant à vous dire. Vous voyez cette adorable chemisette? Oh, elle vient de mon adolescence, hein, et peut-être même d'avant, puisqu'on l'avait chinée sur un marché. L'an dernier, figurez-vous que je ne pouvais pas la boutonner. Maintenant, je peux l'enfiler sans défaire les boutons. Alors, j'ai maigri, allez savoir pourquoi, comme l'an dernier, j'avais grossi aussi, allez savoir pourquoi. Ben, voilà, des fois on prend des kilos, on ne sait pas pourquoi, et puis ben, il y a d'autres fois, on perd les kilos qu'on a pris, on ne sait pas pourquoi non plus. Mais j'ai quand même un truc à dire, qu'il n'y a rien de meilleur que partager un repas en famille, et si vous avez envie de faire du sport, ben, faites-le, parce que qu'est-ce que c'est bon, et quel plaisir de pouvoir bouger. Et enfin, peut-être qu'un peu de bienveillance et de gentillesse, de sympathie, de convivialité, ça fait du bien par où ça passe. Alors, si vous voyez un gros ou une grosse, un rond ou une ronde dans la rue, je sais pas, évitez peut-être les moqueries, évitez peut-être de lui dire « Ouais, obésité, mort !» Des trucs comme ça, de toute façon, on le sait, la personne le sait très certainement. On est suffisamment matraqué avec ça à longueur de journée, donc... Je sais pas, demandez-lui plutôt, waouh, t'es génial, hein, ta tunique plus size, ça veut dire qu'en taille, elle est géniale, hein. Tu crois qu'ils font ça en taille plus petite? Échanger des bons plans mode entre êtres humains, je sais pas, ça doit être vachement sympa quand même, hein, en oubliant la taille, en oubliant la corpulence, en oubliant les mensurations. Bon, ne rêvons pas trop. Je la portais quand j'avais 13 ans, donc j'en ai 43. Elle sert quand même un petit peu, mais bon, voilà. J'avais envie de parler de ça aujourd'hui. Alors par contre, info, si vous pouvez toujours porter les vêtements de votre adolescence, vérifiez quand même les boutons, les fermetures, parce que la chemise, le vêtement peut être encore très bon, pas déchiré ni rien. Mais les boutons et les fermetures peuvent être parfois très 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 usés, surtout si déjà à la base, quand vous vous êtes procuré ce vêtement-là, cette chemise-là, c'était un vêtement, une chemise d'occasion. Voilà, c'était donc le message du jour. Je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous, protégez vos oreilles, on n'en a qu'une paire. Oreilles protégées égale audition préservée. Et puis ben, appliquez les gestes barrières. Bisous à tous!